Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Bonjour Monique. Paul von Homme. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, une satire d'un film qui sort aujourd'hui. Oui. Ou alors Paul est le héros du film le plus rigolo de la semaine. Ah, le film de Greg Mottola, ça vaut le coup. C'est épatant. Ah oui, c'est l'extraterrestre. Il ressemble à E.T., il dit des gros mots et il fume des joints. Ah, c'est ça. Gainsbourg l'aurait adoré et moi aussi. Bon, alors c'est Paul, génial. Avec la voix de Philippe Manœuvre qu'on avait reçue ici pour la version française. Il a peur d'être tué, le petit Paul, qui ressemble à E.T. comme une goutte d'eau, par l'armée américaine qui le retient depuis que son vaisseau spatial s'est écrasé sur la Terre. Il s'évade et tombe sur des barjots géniaux, Simon Pegg, je crois, et Nick Frost, qui cherche aussi des aliens, ça tombe bien, il le recueille, c'est un voyage hilarant, on passe du rire à l'émotion, Paul est exquis, adorable, serviable, et comme méchante, il y a bien sûr ma copine Sigourney Weaver, mais elle ne peut rien contre lui, Paul Go Home, c'est un hommage à Spielberg. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Quand il y a Sigourney Weaver, de toute façon, j'y vais, moi. Ah ouais? Oh, qu'est-ce qu'elle est bien. Oh, elle n'est qu'à la fin, mais elle est géniale. Elle doit avoir un tout petit rôle, c'est une référence à Alien, j'imagine. Et ben oui, c'est un hommage à Spielberg, vraiment. Hein. Parce qu'il y a pas mal de petits clins d'œil comme ça dans tout le film, à tous les films extraterrestres, c'est ça? Ah oui, mais c'est très très bien. Parfait. J'ai adoré. Mais je vous crois, on a bien fait de vous prendre aujourd'hui pour parler cinéma, alors... Paul, on le garde de côté, et puis vous allez quand même nous parler des autres films sortis. J'en ai pas vu beaucoup parce que j'ai un petit trou dans la tête. J'aurais dû aller voir le film de qui déjà? La permission de minuit. Ah oui, avec Vincent Lindon, mais Pierre l'a vu alors pour le coup. Ah bon, parce que j'avais marqué la projection lundi, elle a été annulée, j'ai pas fait attention. Pas du tout, moi je l'ai vu lundi soir. Je l'ai vu lundi soir, une projection qui était au cinéma de Balzac. Première. Et moi, je suis allée au Club de l'Étoile et c'était... Enfin bref, je me suis planté. Balzac, la petite fille. Vincent Lindon, Emmanuel DeVos, dans La permission de minuit, c'est réussi. Bien. C'est très bien, Pierre. C'est très très bien. C'est, les acteurs sont formidables. Et l'histoire aussi. C'est vrai que c'est pas un film qui va faire 7 millions d'entrées parce que c'est une histoire... un peu difficile, mais c'est un très 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 beau film. C'est l'histoire d'un enfant lune. Enfant lune, oui. Qui est soigné par un grand médecin. Un grand médecin, un grand dermatologue. Et on voit les rapports entre un médecin et patient qui sont formidablement bien faits avec tendresse, avec intensité. C'est très très bien joué. On passe à un autre film, si vous voulez bien. Faster. Monique, vous l'avez vu? Oh là là. Aïe. Faster and Debiller. Ah oui. Oh oui, c'est idiot. Hein. Un mec sort de prison bien décidé à venger la mort de son frère. Alors il tue un par un plein de gens qu'il rencontre. Il veut visiblement remplir les cimetières, mais il remplira pas les salles. C'est vraiment con. Bon, bah tant pis alors. Vous avez vu quoi d'autre? Eh ben, j'ai vu ce que je vous ai dit. Winterbone de Debra Granik. Avec Jennifer Lawrence, la campagne du Missouri n'est pas gaie. Les gens sont méchants, mais une ado, mère courage, Jennifer Lawrence, elle est formidable, élève seule ses frères et sœurs. Le père est un salopard, il sort de prison et tout de suite il hypothèque la maison et disparaît. La petite ne retrouve pas le père ou même un bout de son cadavre s'il est mort. Et à la maison, elle n'a pas de toit pour elle et les autres enfants. Ça, c'est réussi. Loin d'être lugubre, c'est un hommage au courage d'une petite. C'est très bien. C'est réussi. Ça a été pas mal nominé aux Oscars, hein, ce film. C'est une bonne idée de scénario, quand même. Un mec qui sort de prison, qui rentre chez lui, qui voit sa femme et sa fille. Son premier truc, c'est d'hypothéquer la maison, de prendre le pognon et de se casser. Un mec comme ça, le film ne peut pas être mauvais. T'aurais fait ça, toi aussi, sûrement. Hein. Winter's Bone, ça s'appelle. Ça, on peut aller le voir, donc, si j'ai bien compris. Oui, c'est pas gay, mais c'est bien. Never Let Me Go, avec Carey Mulligan, Andrew Garfield et Charlotte Rampling. C'est très sinistre. Ah. Mais j'ai pas tout compris. Aïe. Sauf que quand même, en Angleterre, dans une pension chic, on élève les enfants pour leur piquer leurs organes plus tard. Voilà. C'est sinistre. Ah oui, ça a pas l'air gagué, quoi. Alors on passe à Sans Identité, un film avec Liam Neeson. Alors là, c'est formidable. Ah ben c'est un grand film. Ah oui, oui. Ah ben oui. Comme le héros, c'est bien joué par Liam Neeson. Il y a Diane Kruger aussi, hein. Ah oui, elle est géniale. Dans un petit rôle, elle est géniale. Comme lui, donc on est paumé, on ne sait pas où se réfugier. Ce thriller est si bien fait qu'on en ressort lessivé. En arrivant à Berlin pour une conférence, le docteur Harris
perd sa valise. Alors il revient à l'aéroport en taxi, le taxi a un accident, tombe à l'eau, et le pauvre docteur Harry se retrouve sur l'eau, il va à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a coma, c'est un des débuts d'articles les plus formidables. Arrivé à machin, le docteur Marlon perd sa valise. Déjà, tu salives. Tu te moques de moi, moi je peux me moquer de toi aussi. Hein. Au contraire, pardon, il vous félicite, vous Monique. Félicite. Je au contraire. C'est très poétique, mais t'es non seulement tes mauvaises critiques, mais en plus t'es abruti ou quoi? En plus, alors je vais vous dire, Monique, parce que j'ai vu votre message que vous m'avez laissé sur mon répondeur. Monique vous invite à l'hôtel, Pierre Bénichou. Oh putain. Où ça, à l'hôtel? Ah, c'est vrai, Monique. À l'hôtel rue des Beaux-Arts? Non. Non, à Dinard. Où est-ce que vous l'invitez, Pierre? À Zarziz. Où ça? À Zarziz. Au sud de la Tunisie. Ah, oui, moi, je veux pas après ce qui est arrivé à Michel. À Lyon. Marie? Mais oui, non, c'est moi. Ça, elle est bonne. Oui, oui. On n'est pas vraiment mis. Vous nous l'avez fait hier déjà, Pierre. Elle est bonne quand même. Ouais, Lyon, Marie est excellente. Des fois, on a des auditeurs qui se. Oui, oui. Bah, ça m'étonnerait qu'ils reviennent, là, vous voyez. Avec ça, c'est pas sûr. Bon, en tout cas, vous conseillez ce film, hein, Sans identité, Monique. Bien, très, très bien. Ça fait quand même 4 films à voir parmi ceux qui sortent aujourd'hui. Il n'y a pas la petite comédie qui avait fait un carton à l'Alpe d'Huez qui sort aujourd'hui? Ah, c'est-à-dire Une pure affaire. Ah, une pure affaire. Avec François Damien. Avec François Damien. Ouais. Ah, mais oui, très réussi. Oui, moi, je l'ai vu. Ouais, très réussi. Parce qu'il paraît que c'est un très bon film. Il paraît que c'est très rigolo. Ça fait 5 films à voir. Voilà, bah, moi, il faut que j'aille le voir, je ne l'ai pas vu. Mais il paraît que c'est très rigolo. C'est un bon mercredi pour le cinéma et français et international. On va citer pour le cinéma français Une pure affaire si vous aimez rire. La permission de minuit, qui est un film plus grave mais très réussi. Paul, le film sur les extraterrestres. Et surtout Paul. Paul, très réussi. Et puis deux autres films aussi, si vous aimez les thrillers, Sans identité, ça marche. Et aussi Winter's Bone, un film qui a été nominé plusieurs fois aux Oscars. Bravo Monique. Eh ben, bravo. Enfin, vous n'y êtes pour rien en même temps, c'est pas vous qui les avez tournés, ces films. Pour beaucoup. Mais j'aurais pu tourner mieux, moi. Mais en tout cas, on vous embrasse. Dans un instant, l'invité d'honneur.